Salut, je suis en train de lancer. J'ai pas tout fini. Osef de ton PC, mais non. Sinon, je fais un stream, un PC, et à chaque fois, je change de PC. Salut Razi, salut Iron, voilà, salut à toi. Salut Iron Mine, j'ai toujours bien dit, ce soir, je l'ai merdé. Salut Bearded, coucou Binou. Hop, rapprocher la caméra. Le concept du PC jetable, ouais, c'est. Après, il y a le streamer jetable. Hein. Salut Mister Creed, Mister Said. Alors, coucou Tedale, coucou Watsolms. Et c'est bon, voilà, j'ai fait le tour. Bon, on va pas traîner ce soir, hein, on va pas tourner autour du pot. Ouais. Je vais m'occuper de deux commandes. Une commande de Mimster Z. Mimstar Z. J'ai fait un mélange de. Oh, enfin, de Mim. Voilà, de Mimstar. J'ai fait un mélange avec Mister Asie et Mimstars. Et après, je fais un Blitzcrank. Décidément, ce soir, j'ai du mal. C'est Twitch, il m'a cassé la tête, là, ce soir. Un Blitzcrank en 3 emotes pour un streamer League of Legends. Voilà, on y arrive. Et après, si je suis pas crevé. D'ailleurs, on va mettre les lunettes quand même. Les lunettes, en fait, c'est. Alors, j'ai essayé avec les Gunnar, hein, mais non, non, juste mes lunettes de repos, ça me change la vie. Et ça me change la vie. Ça me change la vie en fin de stream, j'ai plus les yeux qui brûlent. Hein. Et c'est que des verres de repos, quoi. Enfin. Donc, si après je suis pas claqué, je passerai sur un jeu. Eh ouais, on va se remettre au jeu. Alors, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Je me mets pas au jeu parce que j'ai pas eu le partenariat. J'attendais de l'avoir pour m'y remettre en fait. J'attendais de l'avoir parce que je voulais pas foutre en l'air les stats. J'avais envie de m'amuser quoi sur des streams gaming comme je faisais il y a 6 ans quoi au tout début. Sauf que bon les. Je faisais super attention quand même aux statistiques pour avoir le partenariat quoi. Et maintenant, rien à foutre des stats, donc le jeu je vais le faire, et voilà. Ouais, voilà. J'ai des Gunnar, c'est un peu gâché, je trouve. Ouais, c'est. Bah, j'ai des lunettes de vue correctes, enfin des lunettes de repos correctes, et elles font aussi bien l'affaire. Je vais pas m'embêter avec les Gunnar. Et surtout que les Gunnar, quand j'ai essayé, j'avais quand même les yeux qui brûlaient après en fin de soirée. Alors qu'avec les lunettes normales, ça se passe bien. Bon, par contre, je les ai pas mises de la journée, donc quoi qu'il arrive, je vais avoir les yeux cramés ce soir. Mais voilà. Te prends pas la tête avec les stats, ouais, c'est clair, hein. Maintenant c'est bon quoi. Bah, là, le coup, c'est qu'ils m'ont dit, les statistiques, elles sont bonnes. J'ai dit, cool. Sauf que vous streamez pas assez. D'accord. Donc si je stream plus pour faire ce qu'ils disent, forcément mes stats, je vais les plomber parce que voilà, ça va descendre. Donc il y a un moment bah, où je dois faire le choix. Donc je m'en fous. Voilà. Voilà. Ouais, encore loupé. Encore loupé. Mais ce coup-ci, j'avais les. Ce coup-ci, les. Bah, la fois d'avant, les 75, ils m'avaient refusé. Ils m'avaient dit oui, vous avez 75, mais c'est surtout vous avez eu un gros host. Là, non, là, il n'y a pas de souci. Au niveau des stats, je suis bon sur les 30 jours flottants. Mais voilà, c'est 3 streams par semaine, c'est bien. Mais c'est pas assez. Il faut au moins 4. Hein. 4-5. Voilà. Tu sais, le partenariat change pas grand-chose. Ouais, c'est clair. Mais en fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que actuellement, c'est vrai que je faisais des streams plutôt courts. Bah, pour quand tu es à la limite de l'avoir,
Tu fais un peu plus attention, forcément. C'est comme vouloir stream du gaming, je voulais pas le faire parce que je pouvais pas. J'ai depuis le mois de juin, je voulais m'y remettre, mais je pouvais pas parce que ça m'aurait plombé encore plus les stats. Mais bref, allez, on s'en fout. Ce soir, dessin, meme star, feel bad. C'est en plus feel bad quoi. Je l'ai pas fait exprès. Coucou Ronan. On va essayer de dire les Ronan comme il faut. Mais moi j'aime bien dire Ronan quand même. Trop de Ronan dans l'entourage. C'était une moyenne de 44 fois par semaine sur 3-1. Waouh! Ah ouais, c'était encore pire. Hein. Blitzcrank, ouais. Ah, 4 fois par semaine, d'accord. Parce que j'allais dire. 44 fois par semaine, c'est sévère quoi. Ouais, après donc je fais un Blitzcrank, c'est pour ça je vais essayer de pas trop traîner sur le feel bad. Enfin pas traîner, attention, hein, je vais pas non plus le. Je trouve pas ma phrase. Je fais pas le rush quoi, voilà. Je le fais dans le temps qu'il faut, mais voilà, je le commence maintenant. Bah ça va très bien, Napti, et toi? Ça se prononce comme tu l'as dit en premier, Ronan. Ouais, voilà, à toi j'ai toujours dit Ronan. Hein. C'est le frère de Gotha, c'est Carbone. Lui, il faut dire Ronan. Le problème, c'est que des fois je l'appelle Ronan, des fois je l'appelle Carbone, et quand je fais le mélange des deux, bah, ça fait Ronan. Ou alors Carbon. Donc c'est compliqué quoi. Trop de prononciation. Je vais l'appeler Roro, voilà. Hey Roro. Vaut mieux l'appeler Roro que la double initiale de son pseudo. Là, ça le fait pas. Allez, au lieu de dire des bêtises, là je suis mal parti quoi ce soir. Alors, donc on va faire un feel bad, mais on va faire le. Je suis sur le bon endroit, ouais. On va faire le personnage de Mimstar. Donc on garde la tête en super kawaii mini, tout mini. Enfin, bah, en super déformé, en SD, en chibi, pas en kawaii. Et on lui donne l'expression de feel bad. Alors bien sûr, il aura le chapeau, parce que ça c'est un peu la marque de fabrique. Avant Mimstar, je savais pas faire les bobs. Balabof, car je suis à 2,94 sur 3 d'être affilié, du coup c'est un peu chiant, et sinon tout va pas, juste tout va bien, mince, hein. Ben, faut que, attends, je vais déjà te follow, ça peut déjà t'aider. Comme ça, si un jour je te vois en stream, je passerai sur la chaîne, ça te fera une vue en plus, quoi. Je désactive les notifs, voilà, je t'ai follow. Ça peut faire pencher un peu la balance. Bah, pas de soucis, hein, si c'est vraiment pas grand chose. Hein. Je follow tout et n'importe qui. En fait, à chaque fois que j'ai un client, quand j'ai sa chaîne, quand je vais voir sur sa chaîne, je le follow systématiquement. Donc c'est un peu la pagaille dans mes follows. Coucou Pouix, comment vas-tu? Alors ce Two Point Hospital. Ah non, faut dire bonsoir Majesté. Oh, c'est trop compliqué. T'es fou, vas-y. T'es fou.
Alors, je vois souvent ton travail à travers Twitter. Première fois que je passe voir un peu comment ça se passe. Ah, d'accord. Ben, merci beaucoup, Binou. Je croyais que tu étais déjà passé, tu vois. Tu as dû te dire, ouais, il est sympa, il accueille tout le monde comme si ça faisait 100 ans qu'on venait. Non, en fait, c'est que j'ai pas de mémoire. Qu'une personne qui vient depuis 100 ans ou qu'une personne qui vient juste d'arriver, pour moi, c'est comme si elle était là depuis le début. Ah bah c'est cool Tedale, c'est gentil. Parce que comme ça, Synapty est affilié, après il aura besoin d'emotes peut-être. Non, je plaisante. Salut Falroni, comment vas-tu? Non, c'est pas du tout pour ça que je te follow, hein, au contraire. Non, non. J'ai follow parce que moi je suis bien content quand on m'a donné des coups de main. Donc ça, c'est un coup de main que je peux faire, donc autant le faire. Oh, mais j'ai bien compris, Napti. Si tu avais été là pour la pub, je t'aurais filé des coups de pied aux fesses. Hein. Non, non, voilà. Et salut Defalt, comment vas-tu? Ça va bien, Falroni. Alors, je dirais pas que ça va super, comme d'habitude. Ouais, ça va super. Non, mais ça va bien. Voilà. Alors, je suis juste dégoûté que le partenariat il soit pas passé. Encore une fois. Mais à part ça, tout va bien, quoi. Et puis, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir une communauté d'enfer et tout le reste, quoi. Ça paraît tellement simple quand on te regarde. Je me suis acheté une tablette pour me mettre au dessin, je galère. Ah bah j'ai galéré. Tu peux pas imaginer pendant combien de temps j'ai galéré. Mais si tu galères longtemps, bah, il y a un moment tu t'en rendras même pas compte que tu galéreras plus. Non, il faut pas lâcher quoi. C'est tant mieux que tu galères un peu au début quoi. Alors ça va, demain j'ai ma rentrée d'école en ingénieur, donc un peu stressé. Tu m'étonnes. Hein. Oh bah. Ça va être. Je pense qu'il n'y a pas grève, donc déjà, c'est ça en moins. Non, il est toujours pas passé. Ce coup-ci, c'est parce que je stream pas assez. Voilà. Alors, on me disait sur Twitter, mais comment ça, j'ai dit moins, zut, coucou Pete. On me disait sur Twitter, mais comment ça se fait que tu stream pas assez? Je te vois tout le temps en stream. Non. Ces derniers temps, ces 2 dernières semaines, c'est vrai que j'ai stream entre 4 et 5 fois par semaine. Et justement, c'est ce qu'ils m'ont dit, quoi. Que les 15 derniers jours étaient bien. Mais pas les jours d'avant. Et les fois d'avant, oui, je streamais que 3 fois par semaine. Le lundi, mercredi, vendredi. Donc voilà, donc ils m'ont refusé. Donc faut que je pourrais essayer dans 3 ou 4 semaines, mais dans 3 ou 4 semaines, j'aurai plus les 75 par stream. Donc voilà quoi. Donc maintenant, je m'en fous, quoi. C'est mort, c'est mort. Donc je regarde plus je ne regarde plus les moyennes et je fais ce que je fais et basta. Salut Kevin Bacon, Kevin Jimbone, comment vas-tu? Bah ouais, c'est ça qui me rend fou, Binou, mais carrément quoi, c'est ça qui me rend fou. Au mois d'août, sur les soirées en créative, putain, j'étais bien quoi. J'étais super bien. Là même ce soir là on est quoi? Je viens à peine de lancer le stream. Je suis en premier, je suis en créative, ouais, c'est en chaîne française, voilà, je suis devant. Enfin, je suis devant. Je suis en nombre de spectateurs, je suis la première chaîne à faire. Mais ça a été tout le temps comme ça.
Et donc la première chaîne FR, il te la passe pas partenaire. C'est pour ça que j'étais un peu dégoûté, quoi. Salut Lightofen, comment vas-tu? Merci Binou, c'est gentil. Merci beaucoup. Rentre dans la Gotaga Corp. Moi je suis un indépendant, moi. Je suis un cavalier solitaire, moi. Tranquillou Pépérou, et toi? Ben moi, j'ai fait ma rentrée il y a un peu plus d'une semaine, donc j'ai pas le mal de la rentrée, donc tout va bien. De ce côté, j'ai pas cette tristesse. La tristesse de ceux qui ont repris le boulot, les cours aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, cette semaine, du moins. Ah, il est bien là. Franchement, là, s'il lui plaît pas, je suis trop dégoûté parce que moi, il me plaît trop. Mais bon, voilà, s'il lui plaît pas, il lui plaît pas, je le refais, hein, mais je serais tellement dégoûté. Non, c'est celui-là. Loin de moi la rentrée, je suis en vacances. En... Saleté. Ben, vendredi, je travaille pas, voilà. Vendredi, je suis en roteteux. C'est un peu des vacances aussi. Stagiaire a compris pourquoi c'est une école spécialisée. Car moi, j'ai repris la semaine passée, mais les élèves étaient calmes. Aujourd'hui, par contre, c'était une autre histoire. Ah, d'accord. Pauvre de toi. Salut, Kuro. Comment vas-tu? Ah ouais, d'accord. Ah oui, quand tu as dit que tu reprenais, tu rigolais pas. Enfin, voilà, tu... Tu y vas à fond, Light. Ah ouais, d'accord. Bon, ben, je te souhaite toute la réussite que tu attends. Et fais pas comme moi, te décourage pas. Mais du coup, tu vis de tes dessins ou tu taffes à côté? Les deux. Les deux. Je suis micro-entrepreneur pour mes dessins. Et pour l'instant, j'ai toujours mon boulot à côté. Tant que je fais du bon travail et qu'on veut bien me garder, il n'y a pas de raison que j'en parte. Hein. Comme Magikarp, hein. Et toi? Mais disons que j'espère parce que. Tous les tafs que j'ai test, ça a mal fini. Ah, là, je suis mal placé, bon, ouais, parce que j'en ai test qu'un et il m'a suivi toute ma vie. J'ai changé plusieurs fois d'employeur, mais jamais de société. Enfin, j'ai non, enfin. Enfin, sur ma fiche de paye, c'est l'ancienneté, elle est depuis. Enfin, non. L'ancienneté, tiens. Ils l'ont toujours pas corrigé, ça. Mais voilà.
Vive DPS, Digital Painting School. Coucou Gaëtan. C'est Gaëtan. Non. Et comment il s'appelle le... Il s'appelle Gaëtan. J'ai même oublié quoi. Il porte un peu... Non, je sais plus comment il s'appelle le boss de DPS. Tu arrives à combiner les deux, bravo, un vrai passionné. Oui, on fait un peu fou sur les bords aussi, hein, parce que... j'ai baissé le rythme de travail de dessin. Hein. C'est vrai que ces derniers temps, c'était 8 heures de boulot, 8 heures de dessin tous les jours. Là, j'ai changé quand même. Hein. J'ai, on va dire, 8 heures de boulot, 4 heures de dessin et du stream régulièrement. Moi, j'ai changé plusieurs fois de métier même. Moi, je suis très très sédentaire, même dans le boulot. Donc, je suis très content d'avoir pu évoluer dans le boulot que j'ai actuellement, parce que j'ai pas eu en changer comme ça. Ouais, le bruit, c'est la télé, c'est quoi? C'est toujours Underworld, Netflix. Hein. Je suis désolé, je ne reste pas demain, ce sera du stream toute l'après-midi et la soirée, il faut que je sois fraîche. N'hésitez pas à passer si tu as envie. Bah, bonne soirée à toi, Ikuro, et peut-être à demain alors. Bye bye. Et coucou le Grom légendaire, comment vas-tu? Oui, je sais, il faut pas dire ton nom en entier. Il faut dire juste Grom. Coucou Bleu Faris. C'est quoi comme travail que tu fais du coup? C'est un rapport avec le dessin ou pas du tout? Je canarde de questions, je suis curieux. Ça a pas rapport de direct, ça a rapport pour le support, on va dire, quelque part. Je suis développeur, je suis analyste programmeur en dehors du dessin, donc c'est un autre univers. C'est plus scientifique que artistique. C'est un tout autre univers. Coucou Nat. Nat, quand j'ai vu un de tes frères sur Twitter, et j'ai dit mince, mais c'est le même, il avait le même avatar que toi, c'était un geek aussi, il joue au jeu de rôle, et après j'ai compris que d'où venait l'avatar, j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres comme ça. Comment vas-tu, Nat? Presque ça, il faut juste dire Jérôme. Ah oui, c'est vrai, j'oublie à chaque fois le Grom, Jérôme. Grom. Ouais, mais c'est le légendaire, quoi. Le légendaire, ça fait un peu troll. Et... Enfin, le Grom légendaire, ça fait un peu troll, quoi. Donc, j'aime bien. Tu vois, il y a 2 secondes, je parlais de jeu de rôle. Ben, on est en plein dedans, quoi, avec le Grom légendaire. Non, ça le fait bien, quoi. C'est fini, je peux plus t'appeler Jérôme. La boule et l'avatar. Non, il te va bien. Par contre, celui que... Je l'ai gardé, en plus. Je voulais te le montrer. Ah, c'est celui-là, celui que j'ai vu. Non, celui-là, c'est le tien. Non, celui-là, c'est celui que j'ai vu et ça m'a fait rigoler parce qu'il avait les griffes comme Wolverine. J'ai dit, ouais, mais non, si c'était... Si Nathanael, il aurait mis un kebab, il aurait pas mis Wolverine. Je bosse aussi mon deuxième job. Ah. Ouais, mais toi, ton deuxième job, ça reste dans le même univers que le premier, quoi. Mais ça,
C'est à la croisée. J'ai un collègue justement qui m'a demandé de lui faire un overlay. Un collègue avec qui je jouais à In Nomine Satanis à l'époque. Enfin, où j'ai pas joué très longtemps, mais il va se remettre à faire du jeu de rôle comme moi là je fais du dessin. Lui, il va faire du jeu de rôle à partir de la semaine prochaine. Et je sais pas sur quel jeu, si c'est sur INS ou sur un autre. Mais je crois que c'est du INS. Eh oui, code, code, code. Donc, pour ceux qui comprennent pas, Nat, c'est un collègue de travail. Cool, du stream, jeu de rôle, ça manque à faire. Ouais, bah, on avait essayé à une époque, mais j'avais pas accroché avec le maître de jeu. Et je crois qu'il fait avec le même, donc peut-être que ça va mieux se passer. On verra ça. Il va attaquer la semaine prochaine. Écoute, merci de m'avoir follow vu que toi aussi tu stream vendredi. Ça se trouve, j'irai plus loin que toi. Et sinon, bon stream à toi et les emotes, ça va être chaud. Et j'ai plus trop d'argent. Non, non, mais je plaisantais moi quand j'ai parlé des emotes. Attention. Ah, attention, une Lucille qui débarque. Planquez-vous. Tu vas faire du jeu de rôle bientôt. Bah, félicitations, Mayenne. Du jeu de rôle avec les personnes en direct ou à distance, comme le collègue. Coucou, Remkiller. Mais où? Bon, alors, tu l'as mis dans ton beignet. C'était quoi? C'était mettre un chat dans un beignet que tu devais faire aujourd'hui? J'ai pas pu passer. J'ai eu le malheur de faire quatre doigts à un perso, on m'a engueulé. Ah ouais, mais il faut faire comme moi, Lucille. Il faut faire la commande qui va bien. Et avec ça, tu es tranquille. Tu peux faire autant de doigts que tu veux et on t'en battra plus. Du coup, Mister Flo, il s'est moqué. Mince, donc il faut pas que je fasse 4 doigts à Mister Flo, sinon il est pas content. Ah, c'est bon à savoir. Je lui ferai 5 doigts à Mister Flo. Enfin, c'est pas à lui, c'est au chien, mais. Je ne te l'ai pas dit. Non, non, tu m'as rien dit, ça va. Binou va parler avec tes amis et vérifier. Oh mais non, il y a souvent autant de vérifiés que de non vérifiés sur la chaîne. Il est au bon endroit. Bon, je veux gagner un giveaway, j'aime trop tes dessins. Bah, vendredi, prochain giveaway. On va faire ça de toute façon, hein, maintenant, c'est on va les figer au vendredi. J'en ferai plus le lundi soir. C'est trop compliqué de faire 2 fois par semaine. Parce que le problème, c'est que si je veux finir avant, ben, je peux pas, puisqu'il faut que je finisse le dessin. Donc, on va faire les vendredis, comme ça, moi, le lendemain, je travaille pas, c'est bien. Vendredi, mon stream, je tente de gratter une image. Non, pas de gratter, de bénéficier des partages de dessins de Dams. Encore moins de chance. Non, mais j'en ferai peut-être plus. Ah. Déjà vendredi, je pourrais peut-être un peu stream l'après-midi parce que je suis un RTT. Bon, à la base, je suis pas un RTT pour ça, mais s'il faut, je lancerai un peu l'après-midi si j'ai un moment. Donc voilà. Alors, où j'en suis moi à côté? Est-ce que j'ai raté? Alors, ben, non, je n'ai rien raté. Que. Ah, RTT, ah, scandaleux! Et RTT ce vendredi et le 21, congé payé.
juste un jour. Parce que pendant les 10 prochains mois, je dois prendre un jour de CP par mois. Tu t'en sors bien. Je m'en sors bien de quoi? Tu as vu, hein, j'ai le partenariat pouf pouf, hein, Lu. Alors, j'espère que Ron va se dépêcher de faire sa commande. Je veux trop les voir avant tout le monde. Oui, bah, je les ferai en live. Hein. Je les ferai en live, ces emotes. Dès qu'il me dit ce dont il a besoin, je les ferai en live. Et là, faut juste pas trop traîner. Minstar Z, mince, il a les yeux de quelle couleur? Faut juste pas qu'il traîne trop parce que j'ai une personne qui est en train d'essayer de me passer une commande de 18 emotes. Elle a eu des problèmes de carte. Il va me la repasser sûrement d'ici une ou deux semaines. Et je risque d'être très débordé là. Pouf, ils t'ont refusé parce que si c'est le cas, c'est pas normal. Si, si, ils m'ont refusé parce que je streamais pas assez souvent. Voilà. Et ça ne suffit pas d'être le premier en termes de viewers sur la catégorie créative lorsque tu streams tous les soirs, quoi. Voilà. 18 emotes easy, 2 minutes c'est fait. Ben, moi c'est 3-4 jours, quoi. T'as une chaîne YouTube? Oui. La chaîne YouTube, elle est où? Hop. Je vais y arriver. Hop, voilà la chaîne YouTube. Voilà, stream, hop, je remets. Et coucou Uzu, Ouzou. Salut à toi. Alors, j'étais en train de voir Mimstar Z. Je sais plus quelle est la couleur des yeux qu'on lui avait mis. Et ça, c'est problématique. Archive Star. Je vais voir dans les anciens emotes que j'y ai fait. Oh la vache. Mince. Il a les yeux de quelle couleur, Mimstar? Que tu as 41 abos, tu mérites au moins le 50K. Oh, j'ai 41 abos? J'ai même pas capté quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est affiché. Ben, merci beaucoup à tous les subs d'ailleurs. J'en profite encore une fois. Merci énormément. Et merci à Nat pour le follow. Alors, je suis en train de regarder sur Twitter. Mimstar. Le problème, c'est que Mimstar, je ne connais pas la couleur de ses yeux. Je me rappelle plus. Je vais voir dans les vieux messages. Il y a trop de cheveux, c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire, ça? Non, mais sérieux, quoi. J'ai fait plusieurs emotes à Mimstar. Il y en a un où il a les yeux fermés. L'autre, il a des cœurs à la place des yeux. J'ai jamais dessiné ses yeux, en fait. Là, il a encore les yeux fermés. Non, mais sérieux. Coucou X, comment vas-tu? Les yeux noirs? Ouais, bah, quand je sais pas, je fais les yeux gris. Je fais les yeux non, avec une couleur non saturée, quoi. Zéro saturation, et ça fait un gris foncé, quoi, et ça passe. Je regarde là tous les emotes que j'ai là sous les yeux. Me saoule. J'ai pas envie de refaire parce que j'ai pas mis la bonne couleur des yeux, quoi. Allez, on va aller voir sur Twitch. Ah, il est en stream. Je crois qu'il a les yeux clairs. Et il a les yeux bleus clairs. Hein. J'ai l'impression qu'il a les yeux bleus. Si tu pouvais regarder la caméra,
au lieu de te concentrer sur le gameplay là. Salut James Lowe, comment vas-tu? Ouais, en plus il a le son de son stream qui est tellement faible, je pourrais pas l'entendre. J'ai coupé la musique. Et je vais lui poser la question. Super. Ça va ou quoi? Ça va, ça va, ça va, ça va. Alors je reste pas parce que sinon. Wow, désolé, je vous ai peut-être pété les oreilles. Et hey, salut Soso Perso Loco. Alors, donc on a les yeux verts. Coucou aux arrivants. Donc j'ai fait une petite pause là, j'étais en train de regarder la couleur des yeux de la personne pour qui je suis en train de dessiner. Parce que le coup bien marrant, c'est que tous les dessins que j'ai fait jusqu'à présent, les yeux ils n'étaient pas ouverts. Mais ça c'était pas mal. Donc j'espère que j'ai pas trop déréglé le volume de la musique. S'il y a un souci de ce côté, vous me le dites. Alors, salut, je m'attendais pas à te voir ce soir. Ouais, moi aussi, je m'attendais pas à streamer ce soir. Et finalement, j'ai dit, ouais, bah, hop, allez, bah, rien à foutre. Voilà, ce soir, j'ai prévu donc de travailler là sur le limote de Mimstar. Je finis celui-là et après j'attaque un petit Blitzcrank en trois parties. Et si c'est pas trop tard, je pars sur un jeu auquel j'attends. En plus, j'attends pour y jouer depuis un petit moment. Là. Un petit moment. C'est tout relatif, il est sorti avant-hier. Mais j'ai pas encore pu y jouer. Hey, coucou Gomart, comment vas-tu? Bonsoir. J'essaye de faire le bon sourire. Je maîtrise pas encore assez bien. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Toujours sur Scoom ou tu es revenu? Tu en as un peu fait le tour? Un peu, oui, il est cool. Ah ouais, ça pour être cool, il est cool. Ouais. Bon, il manque un peu de contenu, mais faut pas oublier qu'il a tellement plus de contenu que d'autres à leur sortie et peut-être même quelques années plus tard. Et non, non, je ne fais pas allusion à Daisy. Hein. Ah, si j'avais eu du temps. Scum, il m'aurait super intéressé. Mais non, non, pas le temps. Et c'est surtout qu'il y a d'autres jeux là, qui vont sortir et que je veux faire. Donc je me suis dit non, retiens-toi. J'ai peut-être fait la bouche un peu grande quand même. Hein. J'y suis allé à Franco. Hein.
Ouais, franchement, moi, c'est mon premier jeu de survie et j'adore. Après, oui, il me manque quelques trucs pour pas qu'on s'achie à force. J'ai vu que Asmodai aussi, il est allé dessus. C'est pas trop. Ça m'a surpris de voir Asmodai sur un survival aussi. Non, comme quoi, il est bien, quand même. Enfin, je veux pas dire qu'il est bien parce que Asmodai y joue. Je veux dire, lui qui est plus un fervent joueur de PUBG, s'il est allé dessus, c'est qu'il y a des trucs sympas quand même. Oui, c'est son univers quand même. Ouais, mais il manque le. Enfin, il est sympa. Bon, faut juste qu'il corrige un peu les problèmes. De téléportation quand même qui stabilise un peu le enfin qu'ils optimisent un peu ça pour que voilà qu'il y ait un PVP digne de ce nom, mais le jeu tel qu'il est actuellement quoi, il est plein de bonnes promesses hein. C'est pas un jeu qui est raté au lancement, c'est pas un jeu. Quand je vois Ark comme il était au lancement, il était c'était chaud Ark, hein. Et aujourd'hui il a une communauté énorme. On n'en entend plus parler, mais il y a énormément de personnes qui jouent à Ark. Et voilà, donc si Scum il arrive à avoir une vie aussi épanouie que Ark, ben, tant mieux pour lui, quoi. Bon, hop, moi je retourne à ma concentration de dessin. Je vais faire n'importe quoi et il va m'engueuler quoi. Déjà, je sais pas pourquoi on a fait un perso chauve, parce qu'il est pas chauve. Ou c'est pas lui quoi, c'est juste un perso qu'on a fait qui lui ressemble pas. Mais alors pourquoi je m'embête à faire les yeux verts? Que de questions. Alors, hop, il faut que je revienne moi sur ça. Ah, il n'y a rien à faire quoi. Ça plus foncé, c'est mieux. I don't know.
Oula, mauvais calque. Quand je me trompe de calque comme ça gêne pas le dessin. Mais si je dois revenir dessus, ça peut gêner. Problème de couleur. Je crois que la pointe est déjà morte alors que je l'ai changée ce week-end, quoi. Beau poil. Ouais, j'aime bien faire la pilosité toujours à part du dessin. Bon là ça va, c'est normal, c'est juste ce ne sont que quelques poils, mais même quand c'est une barbe un peu plus fournie, je préfère les faire toujours à part. Ok, allez, il nous reste plus qu'à faire. Hop. Les détails du chapeau. Et on peut passer au Blitzcrank. Le chapeau en mode toxique. En camouflage toxique. C'est le toxique lui, hein, c'est ça? Ça fait tellement longtemps que j'ai plus vu du H1Z1. Et c'est tout bon. Ouais, c'est bon. Salut Dams, j'espère que tu vas bien. Ben, je te retourne la question. Moi, ça va très bien. Et toi, Koski, comment vas-tu? Alors, fil open. Modèle, on a dit pouf Twitter. Oh, il faut vraiment que je la purge cette que je purge ce projet parce que j'y colle les modèles dedans. Et... Et à force il va me péter dans les mains. C'est pour qui les emotes? Zinko? Ah, Mimstar Z. Ah ouais, Zinko, ça fait un petit moment que j'ai pas fait des trucs aussi. Mais ouais, c'est pour Mimstar, là. Comment vas-tu, Power? Alors, Koski, écoute super bien. Super, tout relou. Non. Super, tout relou bien de mon côté en ce moment. Je monte désormais certaines vidéos de Lebouze. Oh, GG. Ah, tout roule. Parce que là, je me disais, alors c'est ou tout bien ou tout relou, quoi, mais pas les deux. ça va bien, je te remercie, Power. Là, j'ai dit, ah non, là, tu as failli me faire bugger, là. Alors, je fais mes exports. Et on passe à la suite. Bon, ben, un client de gagné, dame. Oh!
Merci, Mister Sed. On est à Team Le Bouze, on partage le taf graph et on a le monteur. Eh ben, ah ouais, on a l'ancien. Là sur le stream, on a le monteur, on a l'ancien emote designer, la nouvelle emote designer. Il y a toute la famille là. Il manque que le bouseux en fait. Qu'est-ce qu'il fout? Il est pas en stream là. Allez, on va passer à la suite. Au Blitzcrank. Donc ça, on n'en a plus besoin. C'était pour montrer à Nat. Alors, le Blitzcrank, on va s'amuser parce qu'il doit être en trois parties. Il dort. Oui, c'est possible aussi. Il a host Run tout à l'heure. Sa commu était grave bien en fait. Ah, il a host. J'étais sur. J'ai vu, là, juste avant de lancer, j'ai vu que Ron était en host sur. Mais j'ai encore Azox. Et là, Azox, il a fini, je pense. Ah non, il est encore là, Azox. Il n'y avait pas grand monde, quoi. Il y a moins de monde aujourd'hui sur les CS. J'ai vu que le CS avait un peu baissé dans les stats Twitch. Ce qui tenait la dragée haute longtemps à League of Legends. C'est toi qui as fait les emotes de Lobouzeux, ben les anciens, tout ce qui reste, tous les cacas. Et je sais plus où il en est. Il est en train de les refaire là en fait. Donc je peux pas te dire oui, c'est moi qui ai fait, parce que selon celui que tu regardes, c'est pas moi qui l'aura fait. C'est pas moi qui l'aura fait. Pas mal ça. Hein. Celle-là, il faut la garder, celle-là. Ouais. Il faut la garder, ça. C'est pas moi qui l'aura fait. Ça, ah ouais, il y en a un qui était franchement le meilleur pote. Quand tu me l'as demandé, j'étais pas chaud pour le faire, quoi. Je l'ai fait, mais j'aime pas faire les corps complets, ça marche pas trop en emote. Et coucou, Fiwist, bonsoir à toi. Bon, comment je le fais, moi? Et si je regardais de nouveau, je vais couper la caméra, hop, latérale, le temps de regarder la commande. Parce que je crois qu'il y a des informations dessus. Déjà, il faudra que je les fasse en grand format. Requirement, Amen. So I want three mods that are similar in art style to the sub-badge. I want a three set that show Blitzcrank shooting a hook. But it's not a hook. The first being his body and shooting out the hook. The second being the metal wire. And the third being the hook. And ok, il faut juste que je retrouve alors. Hop, on remet la caméra. Et que je retrouve à quoi ressemble la chaîne de Blitz. D'accord, elle est comme ça. Hop. Et je crois que je m'étais mis un deuxième exemple de Blitz, il est là. On va garder le collier. La tête, hein. Il fera les effets vénères. Je lui ferai même les éclairs autour parce que je sais que c'est le quoi, le E de Blitz, c'est la charge. Ah non, c'est pas l'ulti. Non, c'est le E. Non, c'est l'ulti, c'est son ulti, je crois, les éclairs. Il y a tellement longtemps que j'ai pas joué à Blitz, je me rappelle même plus quoi.
Bon, je laisse ton stream en fond, j'aurai juste le son. Je vais préparer la vidéo le samedi. Alors, bah, très bien. S'il y a un truc, je dis ton nom rien que pour te troll et te faire revenir devant l'écran. Il faudra que j'y pense, ça. Je vais essayer de te troll. Ah ouais, maintenant que je l'ai dit, ça a plus marché. Zut. Et coucou aux viewers de Varaniel. Comment allez-vous? N'hésitez pas à passer sur le chat si vous êtes pas trop loin de l'écran. Ah mais non, mais attendez. Ah non, ça va. J'ai cru que sur le coup, le message de Stream Element, il m'a perturbé. Il me dit vous host. Non, non, c'est bien auto host. Bon, en tout cas, bonjour, même si tu es pas là, bonjour à toi Vara. C'est pas une raison pour pas dire bonjour. Hein. J'y ferai peut-être la tête un peu plus grande quand même. Pour le fun. Bon là, ça me fait un peu chichi quand même. Ça m'embête beaucoup quelque part. C'est bon, là, la personne a commandé un pack de 3 emotes sur Fiverr. Le truc, c'est que l'emote central, c'est juste une chaîne, quoi. Ça craint, quoi. J'aime pas ça. Alors, je comprends, hein, c'est 3 emotes, mais GG... Pour moi, c'est 2 emotes, quoi. C'est pas 3 emotes, hein. Non, on ne fera pas ça. Alors, ouais, je réalise. Ce que je vais faire quand même, c'est que la chaîne, on va la faire sans fin. Et ça, s'ils veulent rajouter plusieurs chaînes bout à bout. Ce que ça fait. Comme j'avais pas pensé à ça, elle est peut-être pas alignée, donc je vérifie quand même qu'elle s'aligne bien. Ouais, elle s'alignera bien. Donc voilà, comme ça, s'ils veulent étendre à plusieurs fois la chaîne, au moins ils peuvent le faire. Parce que si je fais la chaîne qui est cassée au bout et qui a le point, ils pourront pas enchaîner plusieurs chaînes. Donc ça serait un peu dommage. Autant qu'il en profite au maximum. Alors après, le hook de Blitz, c'est ça, hein. C'est pas un hook. Et c'est pour ça que j'avais pris le deuxième image. Elle me montrait bien la main des deux côtés. Oui, 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 il a commandé 3 émotes en connaissance de cause. Hein. Mais bon, voilà, c'est... donc surtout ne pas lui faire la main fermée. Comment je vais la faire? On va donner un peu de perspective. Avec le pouce vers le bas. Et je l'ai fait totalement grande. Je vais la couper, la mettre sur un autre calque. Hop. Comme ça. Je peux la redimensionner à loisir. Ça doit être pas mal.
peut-être le pouce, hop, bien montrer qu'il est devant. Non, là c'est hyper moche. Voilà, c'est parce que je la fais. C'est mieux si je le fais plus court que plus long. On verra que deux rivets. Ça aussi. Hop. Hop. Mauvais calque. J'avais pas vu que la caméra était mal calée. Donc je vais essayer de faire la tête la plus grosse possible. Parce que pour cette personne, j'avais déjà fait une série de badges. Je vais vous montrer ce qu'il avait déjà. J'ai fait une petite série de badges. Donc on va quand même essayer de rester raccord avec ce qu'il a déjà eu. Normalement les badges je les travaille pas autant. J'essaye quand même de faire quelque chose de bien visible en tout petit, mais il a insisté pour avoir plus de détails sur les deux derniers. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu travaillés. En petit ça ira, mais c'est toujours mieux quand il y a moins de détails sur les badges. Et là il a un crochet à la main gauche parce que j'avais fait un crochet, je sais pas pourquoi. Mais j'aimais bien. Mais là, il avait expressément demandé donc la vraie main, quoi. J'ai encore dit moins. C'est pas vrai. Ah ben c'est bien, comme ça, je peux travailler, Razi. Non, en fait, c'est parce que j'ai dit que si je finissais pas trop tard, je pouvais partir sur mon jeu. Et tout le monde a eu pitié et s'est dit bon, on va le laisser travailler, comme ça il pourra aller jouer un peu après. J'ai préparé la scène et tout pour lancer le stream. On verra si ça marche bien. On verra si j'arrive à y jouer en mode non concentré. Alors bien sûr je fais moins de détails que non à l'original parce que il n'y a pas autant de place. Hein. Mais voilà, on reconnaîtra bien le bonhomme, je pense quand même. Alors je dis juste bonsoir, j'ai failli dire bonsoir. Hein. Bon, je dis juste bonsoir les gens. Après je dis plus rien. Bonsoir les gens. Salut Dany, comment vas-tu? Ah ben non, tu dis plus rien, tu l'as dit. Ben on s'imaginera que ça va bien, parce que si ça allait mal, de toute façon, tu nous aurais dit. Bonsoir. Donc ce soir, on fait des zizimotes. Les zizimotes de l'oncle Dams. Vous verrez bientôt le... Dès qu'il sera finalisé, propre comme il faut... Vous verrez le best-of numéro 3. Je pense que quand il y a des best-of, on les mettra le vendredi. Comme ça, pendant les
3 minutes du best-of, au moins je sais que vous me parlez, vous essaierez pas de me déranger sur le stream. C'est la technique secrète pour gagner du temps. Je pense que je le touche plus. Bon bah super. Eh hey, coucou le grizzly barbu, comment vas-tu? Vas-y, envoie du grizzly s'il te plaît. N'hésitez pas, quand vous arrivez, envoyez un emote ou deux des vôtres. Hein. Ça me fait plaisir au contraire. Comme ça, je revois mes bébés quoi. Et ça va bien, je te remercie. Et Chacha qui doit me recontacter et à chaque fois il oublie quoi. Bon, c'est pas mal tout ça. On va l'enchaîner. On va passer à la couleur. Enfin voilà, déjà au tracé. Il est bien passé finalement. Je t'envoie celle de Chacha. T'as pas encore les follow? Allez, ce soir c'est. Moi je follow ce soir. Ce soir j'ai follow Nepti tout à l'heure. Et je te follow toi aussi. Hop. Voilà, hop, un follow de plus. C'est pas grand chose. Mais si ça peut t'avancer un peu pour l'affiliation, bah c'est super. Coucou Itzazni, ça va bien, je te remercie, et toi? Ah, je l'aime bien celle-là. Et là, si un jour il y a les anciens membres, enfin il y a les membres de... Enfin non, le groupe n'existe plus, donc s'il y a les anciens membres de mon ancien groupe... Ça fait très ancien tout ça. Qui passe et qui entendent de la musique que j'écoute, ils vont péter un câble. Alors je pourrais écouter d'autres styles de musique, mais c'est moins zen quoi. Dessiner sur du métal, c'est un peu compliqué. Et merci Valkins, coucou à toi. Merci beaucoup pour le host. Déjà que j'ai les oreilles qui saignent. Je lui dirai à Chacha qu'il doit te contacter. Ouais, il le sait. Hein. Je lui ai dit déjà. Il sait qu'il peut m'appeler à n'importe quel moment à partir de 18h. Sauf qu'à partir de 18h, il va se coucher. Alors à chaque fois, on se rate. Et après, moi, je stream. Donc, ou sinon, le week-end. Il faut qu'il m'appelle un week-end quand il veut, quoi. Et coucou, Horizon Lointain, comment vas-tu? Salut The Devastateur. Ouais, j'ai du mal à dessiner quand j'écoute des musiques un peu trop énergiques. Il faut vraiment que ce soit une musique un peu invisible derrière. Alors, on a investi en matériel, on a acheté une lampe exprès pour lui. Mais ça l'éclaire pas beaucoup, ouais, quand même. C'est bon, ça marche. Merci Valknis pour le resub. Voilà. Comme il était tout noir, qu'on le voyait, le pauvre, ça l'aveugle.
qu'on ne voyait jamais. On a pris une petite lumière. Il n'a pas l'air d'être dérangé plus que ça par la lumière, par contre. Je vais lui laisser. Merci énormément, Valkins, pour le resub. Je passe juste un coup de vent. Et là, Dodo, deuxième jour demain. Bah, bonne chance, bon courage. Ouais, plutôt bon courage que bonne chance. Bon courage à toi demain à Horizon. Bah, c'est dur, la reprise. Je suis fan des chats noirs. Bon, ben moi aussi, moi je suis fan de mon chat noir. Et je crois que lui, il est fan de moi aussi. Je pense que là, il sait qu'il passe sur le stream. Je pense que là, il le sait parce que normalement, il squatte pas comme ça. Bon, je vais le finir, mon blitz. Le nôtre nous a quitté il y a 10 ans et pas repris de chat depuis. Ouais, je ne comprends que trop bien. Moi, j'ai perdu mon chien, un labrador, il y a 3 ans. Et reprendre un chien derrière, c'était pas possible, quoi. Hey Liz, hello Ankira, how are you? Bon, Ankira, je me languis de travailler sur le troisième emote. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le troisième, il m'intéresse beaucoup. J'ai enlevé la caméra, mais c'est dommage, parce que là, le chat, il est en train de faire le débile. On voit un œil. Bon, mais au lieu de. Sérieux, c'est pas un stream chat, quoi. C'est un stream dessin. Allez, hop, on dessine. Sérieux, quoi. Hello, Chiochlo. Je vais le refaire. Hop, on rembobine. On n'a rien entendu. Hello, Chiochlai. How are you? Ouais, je travaillerai sûrement le soir la semaine prochaine parce que pour cette semaine c'est. Ah, allez, le chat arrête. Ça y est, il est parti en. Il est en folie là. Il est vraiment en folie. Donc je travaillerai dessus sûrement la semaine prochaine puisque ce week-end je bouge samedi donc je vais travailler beaucoup moins ce week-end. Hello Michou, merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup pour le sub, bienvenue à toi. Ouais, en fait, vous avez compris comment avoir un peu de musique plus péchue en faisant les subs. Et oui, puisque la musique des subs, c'était un des morceaux de mon groupe. Ben, c'était le morceau éponyme du dernier album qui s'appelait Crash. Et justement, je vais voir les collègues du groupe samedi. Pour ça que je serai pas là. Headbang. Non, je fais pas headbang là parce que je vais me prendre la tablette. Je vais la casser, je vais pas pouvoir finir mon dessin. Quand tu ouvres YouTube, c'est ce que tu as? Ah ouais, là, ça vaut le coup. Là il va y avoir baston. Attendez, j'arrive pas là. Non. Il y a trop la pagaille. Non, parce qu'il y a l'autre chat qui est intrigué par la lumière et qui est venu regarder un peu. Allez, file. Là. Putain, c'est l'invasion. Invasion féline. Et merci à Clavecine pour le follow. Merci à Dead Death aussi. Coucou à tous les deux. Tu vas même pas baver devant les tartes au citron. Ah, tu disais ça à qui, à Dany?
Après Mars attaque, Dame vous présente Cat attaque. Ouais. J'ai failli faire un jeu de mots aussi, mais comme Yarazi là ce soir, je l'ai pas fait. Et je le garderai pour une autre fois. Le temps qui mûrisse. Le jeu de mots, ouais, Parasite. Alors, yo, death, dead, death. Ah, à moi, vu que je suis pas là samedi, d'accord. Eh ouais, je suis pas là samedi, ouais, mince. Juste pour la tarte au citron en plus, alors que depuis le début, je dis que en ce moment, c'est mon dessert préféré. Je rajoute bien en ce moment parce que j'aime bien changer les préférences. Mais en ce moment, ouais, c'est la tarte au citron. Alors, en général, il te faut combien de temps pour faire un emote? J'ai l'impression que le temps il diminue de plus en plus. J'ai l'impression d'aller vraiment de plus en plus vite, c'est bizarre. Mais en temps normal, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà. La moyenne, hein, la moyenne. Après, il faut savoir que. Ce que moi je propose toujours que quand on me demande est-ce que tu fournis d'abord un croquis, oui. Non, je fais pas de croquis, je livre directement le dessin définitif, mais définitif dans le sens où ce que je livre est finalisé. Voilà, le dessin finalisé. Ce qu'il y a par contre, c'est que si ça plaît pas, s'il y a des retouches à faire, ben, je retravaille dessus. Donc des fois, un emote, peut-être la première version, elle va me prendre 1 heure, mais finalement il faut le refaire et ça va être 2 heures. Et si c'est un PogChamp, ah ouais, ben voilà les PogChamp par exemple. Bon, ça va, tu as bien réussi la dernière fois ton. Je l'ai vu là, The Kairi, Ah, le Kappa. La playlist là, elle a décidé que la vidéo elle serait sans son sur le replay. C'est là avec les morceaux qui passent.
Suisse et un cinquième, peut-être italien. C'est vrai qu'on a pas. J'ai pas demandé s'il parlait italien. Alors on va reprendre les mêmes couleurs. Ça ressemble à quoi le Suisse? Je ne saurais pas dire. Demandez à Mike Horn. Non, il est Suisse, Mike Horn. Ah non, il est Afrique, il est d'Afrique du Sud. À la base. Autant pour moi. Hey, je file dodo, debout à 4 heures. Demain, je commence mon stage dans une pâtisserie. Bah, bon stage à toi. Et bon courage pour demain matin, Valkins, et pour samedi aussi, si on se voit pas. Ouais, il n'y a qu'en France qu'on parle que français. Ça, je sais bien. Malheureusement. Non, il n'y a pas qu'en France. Il paraît qu'au Japon, on parle que japonais aussi. Enfin, il y a des pays qui sont très. Très ouvert à l'apprentissage de langue étrangère. Ah, Nat, tu t'es pris un Théo automatique, c'est pas grave. C'était un lien. Dès que quelqu'un met un lien, il se fait Théo pendant 5 secondes. Italie, voilà, Italie en manche. Mais c'est pas grave, hein, tu peux reparler, Nat. Si, quand les personnes veulent mettre des liens, en fait, on leur accorde le droit pendant 1 minute pour qu'elles puissent mettre les liens. Sinon, c'est pas autorisé. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Alors, il y a un truc que j'ai pas fermé. On parlait de portes et de fenêtres. Et ben, j'ai pas fermé les traits non plus. Enfin, les contours. La main. On va la faire un peu plus foncée quand même. Un peu plus, mais quand même. J'aime pas. On va faire les rivets. Faire des couleurs. Bonne nuit, The Devastateur, et à très bientôt. Live sponsor, art et fenêtre. Alors, je disais 4 langues en Suisse, français, italien, allemand et romanche. D'accord. Oui, bah, la personne dont je parle, qui est passée sur le stream tout à l'heure, elle est suisse, et donc je sais qu'il parle 5 langues, mais je sais pas quelle est la cinquième. Mais le français, l'allemand. Donc le romanche, ça j'en suis sûr certain. Et l'anglais aussi, puisqu'on a beaucoup échangé en anglais au départ. Et je pense que la cinquième, ça doit être l'italien. Je ne serais pas surpris. Non, c'est un peu trop foncé. Hop. On va attaquer l'ancrage, les couleurs. Je suis pas concentré là. Ah, 5 langues, c'est la classe, ouais. Après, c'est pas 5 langues très répandues quand même. Bon, anglais, oui. Français, ça commence déjà. Je sais pas ce qui. Je suppose que l'allemand doit lui être plus utile que le français. Et encore, à voir. C'est vrai que parler espagnol, portugais ou cantonais, à l'échelle mondiale, c'est plus intéressant. Je suppose. Et le mec, il dit ça comme si.
Il était tout le temps en train de voyager. Non, non. Le petit Blitzcrank il prend des couleurs. C'était mon main, celui-là, quand je jouais à League of Legends. Je jouais que Blitzcrank. Et quand j'ai repris. Quand Arena of Valor est sorti sur mobile, j'ai joué. C'était comment il s'appelle? Garkin? Grack? Un truc comme ça. Enfin, l'équivalent de Blitzcrank dans Arena of Valor. J'ai joué que lui, pratiquement. J'aime bien les persos qui peuvent grab. Après, je suis passé sur Thresh. Lol, Zatayo. Coucou à toi d'ailleurs. Ah, merci Lucille. Alors, The Belgian Monster. Non, The Belgian Not Monster. Je parle l'allemand, le français. L'anglais, le néerlandais et le luxembourgeois. Ouais, félicitations. Mais après, voilà, je pense que c'est plus dur, certes, pour un adulte que pour un enfant, comme ils disent. Mais plus dur ne veut pas dire impossible. Donc, c'est le jour où vous voulez apprendre une langue, vous vous y mettez pendant 6 mois, 1 an. Et de toute façon, les footballeurs, comment ils font, quoi? Au bout d'un an, ils parlent la langue du pays dans lequel ils sont. Hein. Et Neymar, il a joué en Italie. Donc, comme il est toujours en train de jouer la comédie, je me suis dit peut-être que. Coucou Mata! Lol, Danny. Non, il a jamais joué en Italie. Bah, c'est un mauvais acteur. Ouais, ça se voit. Alors les emotes de Trini, donc a priori ils ont tous été validés. Les badges, ils ont été mis en ligne puisque je les ai vus juste avant le stream. J'ai lancé un replay sur sa chaîne et j'ai vu qu'il y avait les, j'ai vu qu'il y avait les badges. Donc elle a mis les badges aussi. Donc normalement tout est fini pour Trini là pour le moment et il y aura juste les rework. Je ferai un peu les rework de temps en temps, mais quand j'aurai du temps. Là c'est pas d'actu, mais dans le courant du mois, ouais, je pense que j'essaierai de trouver un moment. I learned Italian on my PS2 in a... Excellent. Et le français parce que j'ai des clients en Suisse romande. Ben moi j'ai appris l'anglais en jouant dans les années 90, en jouant au jeu Shining Force sur Mega Drive. Je me rappelle quand je l'ai acheté, alors je crois que c'est Shining Force 2 hein, en fait. Ouais, c'est le Shining Force 2. Je me rappelle quand je l'ai acheté, je l'avais précommandé à l'époque au magasin de jeux vidéo qui le vendait. Il m'avait dit oui, c'est la version française, pas de souci. Je l'achète le jour où il sort, ouais, je suis trop content, je l'ai, je rentre chez moi, je le mets dans la console, je lance, tout est écrit en anglais. J'ai dit, mais et au magasin, ils m'ont dit que c'était version française. Donc je ramène au magasin, et là, donc ce jour-là, j'ai compris que version française, non, ça veut dire que ça marche sur les consoles françaises. En fait, c'est version européenne, quoi. Et c'était en anglais. Donc le jeu c'était un jeu de rôle tout en anglais, un tactical RPG tout en anglais. Eh ben, j'ai passé tout le jeu avec le dictionnaire à la main et j'ai appris l'anglais vraiment en jouant parce que c'est pas à l'école que je l'ai appris quoi. C'est pour qui cette emote? C'est pour un streamer de League of Legends pour qui j'ai fait des badges il y a 2 semaines et là je lui fais un petit emote en triple.
Salut, le robot ressemble à celui de Chrono Trigger. Je me rappelle même plus quoi que Chrono Trigger. Je crois même que je l'ai en version mobile. Non, je crois que. Je sais, je l'ai plus refait que Chrono Trigger. J'ai pas d'énormes souvenirs moi de Chrono Trigger. Moi, c'était plus. Secret of Mana. Et j'ai oublié le titre des autres que j'avais fait. Mais... Bref. Il y a Mister Flo qui disait tellement hâte de voir les miens. Oui, les tiens, oh, ils vont pas tarder. Ils vont pas tarder. Je pense que ce week-end, je serai dessus. Enfin, ce week-end dimanche. Oh, je vais. Tout va dépendre de comment je m'en sors avec mon calendrier. Comment vas-tu? Tu travailles tard. Oh non, c'est tôt là. 22h56. Mais c'est fini. J'ai arrêté de... Là, depuis le mois de... Depuis cet été, j'ai arrêté de travailler plus tard que... Allez, 1h du matin, à tout casser, quoi. Mais c'est vrai que des fois, je finissais les journées très très tard. genre 3h du matin, quoi. Et ça, non, c'est fini, fini. Donc là, c'est un peu tard, mais pas trop. Hier, je crois que hier je me suis couché, il faisait encore jour. Hein. Non, je plaisante. Do you game? I try. I will play to a game just after this emote. I will play to RPG game, a new RPG action RPG game. But I play way more than before. I was a big gamer, but today I have no time left to play, so I play very, very, very few. Il y a un temps pour tout. L'anglais, sorry, sorry Annie. Je sais que toi, ton anglais, il doit être irréprochable. Ah oui, c'est donc Annie Darkangel, l'autre personne que je suis qui fait du pixel art, eh bien elle a un nom qui me rappelait le tien, et pas pour rien, parce que donc toi ton nom c'est Dark Angel, dedans il y a Dark, comme dans le Dark Vador en France, on l'appelle donc on appelle le méchant de Star Wars, on l'appelle Dark Vador. Et en anglais il s'appelle Darth Vader. Et justement, donc, cette autre personne, elle s'appelle Dart Colette. Donc, y avait un petit quelque chose. Donc, voilà. Donc, j'ai... Toutes les personnes que je connais qui font du pixel art sont du côté obscur. Désolé, en tant que bilingue, c'est très marrant. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Je pourrais venir jouer la traductrice sur ton vocal Discord si tu veux. Oui, puisque tu as la voix de la traductrice Google. J'ai pas oublié. Allez, j'y retourne, je reviens tout à l'heure. Ben, merci beaucoup, Mata. Au plaisir de te revoir tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on va jouer pas beaucoup. Do you have a PS4, PS4? Yes, I do. I've got a Switch, a PS4. An old Xbox 360. En console, j'ai quoi d'autre? C'est tout là. En console récente. Hein. J'ai une PS Vita aussi. Non, une PSP, attention. Pas une PS Vita. Donc là, j'attends impatiemment la sortie de divers jeux quand même. Hein. Je vais obligatoirement acheter donc Life is Strange 2. Je vais acheter très certainement Call of Duty Black Ops 4. Parce que voilà, moi j'aime bien la licence. C'est comme ça, on n'est pas parfait. et je vais attendre un peu pour acheter Red Dead Redemption parce que je veux le faire sur PC et je pense que sur PC il sortira d'ici un an et demi, deux ans quoi.
Je suis dans ton chat vocal si tu veux que je joue la traductrice. Non, il n'est pas réglé, je mets jamais le chat vocal sur les streams. Je t'ai envoyé un code, j'ai reçu 5. Un code? Ben merci beaucoup. C'est un code de quoi? Bon ben je vais me remettre à... Je vais rallumer la PS4. Hein. Pro Evo Soccer, il s'appelle Pro Evolution Soccer. Oui, PES. PES qui... J'ai entendu dire que... Les critiques disaient que c'était le PES de la maturité. Donc oui, c'est vrai que j'ai joué à pas mal de FIFA aussi. Donc, je te remercie énormément, Kera. Tes giveaways sont seulement les vendredis, voilà. Oui, maintenant, les giveaways sont uniquement les vendredis. Comme j'ai repris le travail, le giveaway le lundi, c'est pas possible parce que ça fait finir trop tard. Donc, giveaway le vendredi uniquement. Une partie live avec tes modos, ben quand. Pas, là, non, pas maintenant, mais je vais me. J'ai réinstallé, il faudra que je m'y remette. Quand le Blitz, il va être. Alors j'ai vu que là il est en mode test, mais dès que le Blitz il sera sorti, je ferai du Blitz. Mais que du Blitz, hein. pas de la faille. La faille, j'y mets plus les pieds. Mais jamais, plus jamais les pieds dans la faille. Merci beaucoup Annie pour le host. Et merci beaucoup à Inkera pour le code. Bah c'est gentil, je vais tester ça. Mais le problème c'est qu'à cause de toi, à cause du code, je vais donc me remettre sur la PS4. Et si je me remets sur la PS4, je vais prendre Red Dead 2 sur la PS4 et pas sur le PC. Parce que Red Dead 2, quoi. Voilà quoi. Ça va être horrible d'attendre encore un an. Alors que j'ai de quoi le faire tourner tout de suite. Merci Annie. Ouais, mais je fais vraiment que les emotes de toute façon. Je fais plus de d'avatar, d'icône. Un jour peut-être, hein, si j'ai un peu plus de temps, mais j'en doute fortement. Je suis content du résultat, quoi. C'est tellement ce que j'avais en tête. Après, j'ai pas dit il est beau, hein. J'ai dit je suis content d'avoir fait ce que j'avais en tête. Après, il est pas forcément beau, mais en tout cas, il correspond à ce que je voulais faire. Je vais un peu foncer les ombres quand même, c'est un peu clair là pour moi, à mon goût. Si tu regardes un peu le stream, tu peux gagner à Dead. Je ne participe jamais aux giveaways sur Twitter, sur les autres. Ouais, sur les streams des copains, sur le stream de Brunator, des fois je fais. Et de Elkinou, je fais les giveaways, mais juste comme ça. Mais sur toutes les autres chaînes, je fais jamais de giveaways. Parce que le problème, c'est que mon Twitter, comme c'est un Twitter avant tout, on va dire commercial quand même, c'est un peu ma vitrine pour contacter les gens. Je peux pas me permettre de harceler les gens avec des retweets de giveaway, donc je participe jamais au giveaway moi d'habitude. Je t'ai envoyé la photo de robot de Chrono Trigger. Ah, je vois ça. C'est sur le Wikia. Ah ouais. Ah ouais! Ah oui, non, mais là, le Blitzcrank de. Le Blitzcrank, il en est inspiré, là. Là, je pense que c'est pas un hasard. Je pense qu'il en a été inspiré. C'est
Je veux bien qu'il y ait des hasards des fois, mais là quand même, il y a le rond sur le plastron, il y a beaucoup de choses. Coucou Stofond, je suis désolé. Alors, c'est toi qui as fait les emotes de Yuna? Non, non, j'ai fait aucun emote de Yuna. J'ai fait un dessin que m'avait commandé un de ses viewers, mais c'est un dessin qui n'est apparu nulle part. Voilà, c'était. Mais non, je n'ai pas fait ces emotes. Alors j'ai essayé une fois de faire un giveaway sur Twitter, c'était une catastrophe. Ouais. Alors après, moi, les giveaways, j'en fais pas personnel. Je fais jamais gagner d'emotes sur Twitter parce que j'aime bien qu'on voit les tirages en direct. J'aime pas les tirages en différé parce que derrière, il y a toujours des rageux. Après, sur mes streams, je suis en train de faire le tour de Chrono Trigger, justement. Ok. Allez, je vais finir notre ami Blitz. J'ai plus grand chose à faire. Faut que je m'occupe des yeux. Enfin, des bulbes. Enfin, si je commence à parler de bulbes, on va déborder sur les Pokémon. Vous savez que c'est le marathon Pokémon là, actuellement sur Twitch où tous les soirs à partir de 19h il passe 5 épisodes, il y en a pour presque un an, ça va finir en juin 2019. Le dimanche il passe un film et le samedi le récap des épisodes qui ont été passés en semaine. Pour ceux qui aiment les Pokémon, et il y a soit en anglais, soit en français, il y a plusieurs langues. Et le personnage de la fille Intello avec les lunettes me ressemble. Alors à la place de s'appeler Lucas, on l'a appelée Annie. Donc les yeux sont faits, la chaîne c'est ok. Je me demande si je vais rajouter un petit reflet métallique sur la chaîne. Alors pour ça, je fais hop, un trait quasi invisible en blanc dessus, mais qui va nous servir après sur le calque suivant que je mets en lumière vive. Non, pas en lumière vive, en glow dodge. Voilà. Je vais rajouter l'effet un peu sur toutes les parties. On va être généreux. Un peu d'occlusion ambiante. Voilà. Et on va même en mettre un peu là. Et Rekoski. Alors sur Facebook, une personne a gagné une PS4 Slim. Il n'a pas contacté. Oh, oh le pauvre. Enfin voilà, attends. Et par contre, ça a fait 1 € sur Twitch. Ils ont annulé le Chrono Trigger 2. C'est bizarre parce que quand même, actuellement, les remakes ont quand même le vent en poupe. Les remakes et les suites. Je viens de finir le tri des clips. De trier les clips du J2LB. J'ai pas tout suivi la fin, hein. Le J2LB, mais. De le bouseux, quoi. Du J. C'est le J que j'ai du mal. C'est logique, j'arrive pas à comprendre. Alors, en attendant, hop, on va faire combiner les calques. Je remets mon fond pour être sûr des parties. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des effets, un effet au blitz avec l'énergie. Et surtout, je déborde pas sur l'autre quelqu'un. Que l'autre calque qui doit pouvoir être répété à l'infini.
Voilà, faire le qui, je fais jamais au, je fais toujours un pré-tracé avec un brush, et après j'utilise toujours l'outil doigt, parce que ça donne vraiment un super effet, quoi. Moi j'aime bien. Alors dis-moi, un carré code Pro Evo, tu l'as fait gagner un giveaway. Coucou Atomic. Ouais, c'est ça, ok. C'est salut. Alors j'ai un système de reward, chaque minute tu gagnes un point, après tu peux échanger les points contre des jeux dans la liste. Non, ça va, c'est clair, c'est clair. C'est un peu comme sur ma chaîne, hein. Actuellement on fait des give. Au plus vous restez sur la chaîne, au plus vous gagnez des points. Actuellement, quand il y a des giveaways, ils vous coûtent qu'un point, donc n'importe qui peut participer. Mais par la suite, peut-être on mettra des prix plus sympas, des dessins plus travaillés, où là, on demandera un certain nombre de points, qui sont gratuits, hein. Mais c'est pour réduire, restreindre certains giveaways aux habitués, par exemple. Là, pour l'instant, j'en fais pas, en tout cas. Mais c'est envisagé et envisageable. Donc, notre Blitzcrank, il est fait. Maintenant, je vais m'occuper de le découper en morceaux. Hop, on va encore combiner. C'est là qu'on rigole. C'est là qu'on rigole. Alors, edit, changer canvas size. Hop, en 1200. Donc ça va être notre première partie. Que je garde et que je colle là-bas. Ensuite, hop, on revient comme ça. Maintenant, on va sélectionner le milieu. Donc voilà l'emote du milieu, il ressemble pas à grand chose. J'espère juste qu'il sera validé aussi. Ça c'est fait. Hop, je vais le copier ici et on va faire l'autre partie. Je suis concentré là parce qu'il faut pas que je me plante. Justement, je me suis planté. Ce coup-ci, c'est bon. Donc ça, je peux sauvegarder. Alors, file. J'ai oublié de faire mes sauvegardes, alors je les ferai après. Ouais, je les ferai après, on va pas s'embêter. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner. Alors, qui nous a rejoint? Et merci beaucoup pour les follow, merci à toi Arty. Merci énormément Arty pour le follow. Tu as eu des emotes qui n'ont pas été validés. Oui, systématiquement, un emote où il y a une seule lettre dessus, il va être rejeté. Donc un jour, j'ai fait une shop à quelqu'un, une shop de bière, avec son initiale sur la shop, et ça a été rejeté. Alors qu'à une autre personne, le même dessin s'est passé, enfin le même type de dessin s'est passé. C'est variable. Et sinon, j'ai une culotte rose et blanche qui a été rejetée, mais c'était à une streameuse qui s'est pas laissée faire et qui leur a dit non, non, c'est juste une culotte, vous me la remettez, ils lui ont remise. Coucou Rose des cieux. Et donc c'est Trinity, c'est son caca culotte. Ah oui, j'avais pas vu GG pour les 3300 followers. Je te remercie, Coxy. Koski.
Alors, on va tester, voir si ça marche comme je le veux. On va les réduire un peu encore. Voilà. Mais ça va très bien, je te remercie. Ça va bien, voilà. Donc l'idée c'est que l'emote de la chaîne, ben, on peut le répéter plusieurs fois et le raccorder au bras. Donc c'est, je pense qu'il va kiffer. Je pense qu'il va kiffer. À mon avis, ça va bien le faire. Hop, je vais le sauvegarder, ça je vais le garder. Voilà. Et ça, je sauvegarde. Bah, les amis, on en a terminé avec les emotes. Il est quoi? 23h16. Bon, je vais pouvoir jouer une petite heure. On va voir ce que donne le jeu. Je suis impatient parce que ça fait un petit moment qu'il traîne. Donc, le prochain stream dessin. Je ne sais pas encore quand ça sera, si ça sera jeudi ou si ça sera le stream giveaway de vendredi. Mais voilà, donc je referai du dessin en tout cas cette semaine. Samedi, il n'y aura pas de stream. Et dimanche, je verrai en fonction du temps que j'ai. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de scène. Donc normalement, je vais faire aussi toutes mes sauvegardes. Comme ça, je peux fermer le projet. Et on va pas relancer le stream, je pars direct dessus. Donc le jeu c'est Shadows Awakening. Dès que je l'ai vu jouer sur un autre stream là il n'y a pas longtemps. Ça j'en ai besoin, je coupe la caméra. Je l'ai vu jouer chez Bourinator et j'ai dit ah non mais ce jeu j'adore. Et j'ai dit ce jeu il me le faut. Et bien, comme il me le fallait, j'ai contacté, enfin, je suis passé par un site et j'ai pu avoir contact avec l'éditeur qui m'a offert une clé. Mais voilà, s'il avait fallu l'acheter, je l'aurais acheté quand même. Mais là, c'est l'éditeur qui me l'a offert, donc je l'en remercie. Enfin, il le saura pas, mais je l'en remercie quand même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dessus. On va couper la musique. Je vais changer le nom du stream. Donc vous me laissez juste quelques instants, le temps de régler tout ça. Ok, update. Ok, ça c'est bon. Je vais basculer ça ici. Je vais lancer le jeu. Oui, c'est fait. Vas-y. Il faudra que je m'organise pour le faire plus facilement parce que là, c'était un peu compliqué. Bon, heureusement que j'ai Chatty. Depuis Chatty, je peux le changer, mais je voulais le faire depuis le stream deck et. Ça marche pas aussi bien que j'aurais voulu. Je vais déplacer le chat aussi. Alors, passer de créative à un jeu. Dans l'idée, ça passe bien, sauf qu'il n'y a pas de reboot du PC. Donc, le mystère va être de voir si le PC il lague pas trop, quoi. Et merci beaucoup Orsdessieux pour le host. J'ai failli dire pour le follow quoi. J'ai failli me faire j'aurais pu me faire engueuler là. Il faudra que je fasse pour la prochaine fois que je me mette l'iPad pour le chat parce que là tourner la tête pour regarder le chat sur l'autre écran ça va pas le faire quoi. Et j'ai pas l'iPad là sous les.
Il y a bataille de chats derrière. Je sais pas si vous entendez. Ils sont fous, ces chats. Allez. Nouvelle partie. Alors, j'ai pas le son. J'ai pas l'impression d'avoir le son du jeu. Audio. Tu as encore besoin de ton gant pour jouer, merci. Ah, c'est parce que je l'ai coupé dans le mixeur. Ouais. Me semblait bien. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez le son du jeu? Est-ce que vous avez la musique? Je suppose que oui. Ouais. Bon. Si la musique est pas bonne, vous me le direz. S'il faut baisser les volumes, etc. Je vais changer, moi, de scène sur le stream deck. Alors, Shadow Awakening, c'est, vous allez voir, c'est carrément pas un hack and slash, hein, c'est juste un action RPG, mais c'est tellement beau et ce jeu, il est tellement pas connu, ça m'a dégoûté quoi. Mais ce jeu est génial et je suis même sur jeuxvideo.com, il n'y a pas de test, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, il y a juste la page du jeu, mais elle est vide. Ça m'a dégoûté quoi. Depuis que je viens, je crois que c'est la première fois que je te vois jouer. Ben, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, décalage voix stream, c'est-à-dire il y a un décalage entre. Ah, alors on va arrêter. Hein. J'ai coupé la caméra au pire. Il y a un décalage entre la voix 1, 2, 3. Très léger. Ah, il y avait aussi tout à l'heure, là c'est good. Ah, il y a peut-être des petits lags. Je fais un clap. J'avais aussi le décalage, j'ai F5 et il n'y avait plus. Ben alors n'hésitez pas à essayer de faire F5. Ouais, moi je suis pas super à l'aise là. Le chat, j'aurais dû préparer l'iPad pour avoir le chat sous l'écran. C'est pas grave. Ah, ce que je vais faire, je vais le basculer d'écran. Petit réglage. Je vais me mettre le chat sur l'autre écran. Ah, ça sera plus pratique que sur celui-là. Ok, ah, bah, c'est parti. Donc je disais, oui, ce jeu, je ne le fais pas en stream parce que j'ai eu la clé gratuite. Non, non, j'ai eu la clé gratuite parce que je le voulais absolument. J'ai énormément aimé jouer à Diablo 3, même voilà, après avec les défauts qu'il a. Et graphiquement, il en est très très proche. Et c'est pour ça qu'il rappelle un peu quand même. Hein. Mais c'est un action RPG, c'est pas un hack and slash. Redécalage, ouais, il y a des. Je vois. Je pense que c'est quand. D'accord, ok. Ouais, j'ai compris. Ouais, il faudrait que je relance. C'est bon, j'ai compris pourquoi il y a le décalage. D'accord. Alors, je vais essayer de gagner un peu. Bon, peut-être que je vais voir. Au pire, je relance le stream et on verra. Si ça marche pas, c'est pas grave, je le referai une autre fois. Je vais fermer quelques fenêtres.
Et je comprends pourquoi ça, y a ces lags. Ouais, c'est, ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Alors, évidemment, j'ai fait les tests. J'ai fait les tests aujourd'hui avant de le lancer, mais j'avais pas pris en compte le fait que j'essaye de l'enchaîner après un stream dessin. Donc là, le PC, il faudrait que je le reboote carrément pour. Bon, je vais relancer le PC. Et je reviens dans 3 minutes à tout casser. On va voir si c'est mieux. Si c'est pas mieux, ben, j'essaierai de trouver une autre solution pour ce dimanche, en cas. Ah ben non, pour vendredi peut-être. Ouais. Je reviens dans 2 petites minutes, le temps de relancer.